voiture. Éclipse piloté par JM, ton animateur toujours. Wingo. Hey, c'est un gros plaisir cette saison. On va se faire un max de kiff. On sera au cœur de plein d'événements culturels majeurs. On va accueillir aussi des restars dans l'émission. On va vous balancer des sandwichs de nouveautés exceptionnelles, exclusives, glanées par-delà toute la planète. Et puis, dans cette émission, ce numéro, pour commencer déjà, je vais accueillir, ça va être comme ça, hein, quasiment tous les mois, on va accueillir par moment des vedettes ou des talents nouveaux de la scène culturelle ou même des talents confirmés pour ce samedi. La totale du Culture Eclipse Urban, piloté par JM, ton animateur toujours. Fuego, hey, il glisse jusqu'ici. Notre invité exceptionnel, c'est Mounou Désiré Kofi. Ça va, Désy? Il nous a ramené un petit cadeau, mon gars. C'est un petit tableau, voilà. Super, c'est pas un petit tableau, mon frère. Ça, c'est non. Vraiment du grand art, je te jure. Oh là là. Dimension, quoi. Mm-hmm. Voilà. Effectivement. Et avec ton micro, tu nous expliques un peu de quoi il est question, là. Oui, là, c'est vraiment les enfants, autour des enfants sur ce tableau qui parle de l'éducation. Et ici, si nous sommes un peu éloignés, on voit des enfants avec des sacs au dos qui vont à l'école. Et c'est deux autres. Les 4 autres enfants qui ne vont pas à l'école, et c'est le département des enfants qui ne vont pas à l'école. Ils ont eu un regard vraiment triste quand ils ont vu ces deux enfants-là qui vont à l'école, et ils étaient vraiment touchés. Tout simplement, ce tableau veut dire que tous les enfants ont droit d'aller à l'école, et c'est l'éducation. Quoi. C'est enfants, un message fort. Leur vie n'est pas dans la rue. Mm-hmm. Et c'est tellement vrai, le droit à l'éducation pour les enfants. Et l'éducation aussi, c'est l'une des bases de tout développement solide si nous voulons construire une Afrique meilleure. Merci beaucoup déjà. Et toi, tu n'as que 21 ans, c'est ça? Non, 23 ans maintenant. Ouais. Ouais, c'est super. Ça. Écoute, tout de suite, nous, on va s'intéresser aussi à la vie, mais pas la vie de ces objets, mais plutôt la vie de vedettes, de la culture, de la musique. On est vraiment dans un milieu très artistique, très ouvert. Et ça se passe dans les news sur Urban. On revient juste derrière, les potes. Avec Désy, un de culture et des clips, toujours piloté par JM, ton animateur. Fuego. Hey, il est là, Mounou Désiré Kofi, invité exceptionnel de ce numéro depuis 21h. Avec lui, on parle de récup, c'est-à-dire qu'il récupère des claviers de téléphone à partir desquels il travaille pour nous offrir des œuvres d'art exceptionnelles et toujours un message différent sur chaque pièce. C'est un travail unique. On est super content de pousser un garçon comme ça et surtout de découvrir son univers. D'ailleurs, il nous emmène, lui, dans un autre univers. Celui-là, c'est un marché ivoirien, bien évidemment. On est en plein dans la commune. Nous sommes à Djamé. Au forum des marchés. Oui, au forum. Et là, c'est vraiment une scène du quotidien avec des passants. Je pense que là, ça va être une vendeuse. Oui, une vendeuse, vendeuse. Voilà, là, c'est une vendeuse. On retourne une scène de rue, voilà. Voilà, un marché africain, voilà, ivoirien, voilà. On est dans... ici, on retrouve des personnages avec beaucoup de mouvements et puis beaucoup de volume, voilà. Là, on a des tactiles de téléphone, voilà, pour essayer de faire la transition entre les claviers et les écrans tactiles. Parce que de nos jours, au fur et à mesure, avec l'évolution, voilà, on n'utilise quasiment plus des claviers. Mais c'est quand même le témoignage de toute une époque, ouais. Voilà, d'avoir... Ça nous rappelle, ça nous ramène au passé, c'est très rétrospectif. Oui. Et puis là, tout de suite, je me demande, qu'est-ce qui t'a poussé à entrer, disons, dans ce style d'expression artistique? En fait, c'est d'abord à partir d'un constat. À la partie d'un constat, je me suis dit, bon, de nos jours, on est quasiment connecté, on est vraiment lié à nos téléphones portables, mais pourquoi après l'utilisation des téléphones, on laisse dans la rue et ce qui est un peu dangereux? Donc moi, je me promène dans les quartiers, les bas quartiers, à Nono, à Djamé, souvent même à Bobo, dans les décharges et autres. Je vais voir des commerçants et des fruits aussi dans les poubelles. J'achète souvent des téléphones gâtés qui traînent. Voilà. Ils ne savent pas quoi faire. Ils jettent. Moi, j'arrive et dis non, je suis intéressé par ces téléphones-là. Je vais acheter. Quasiment, je suis étonné. Il me demande, mais celui-là, il va faire quoi avec? Bon, on s'en fout. Hein. Mm-hmm. Donc, je prends ces téléphones-là et puis j'arrive à la maison, je les casse et je récupère que les claviers pour redonner une nouvelle vie à ces téléphones-là. C'est un peu ça l'idée. C'est sympa, si tu fais un travail formidable pour l'environnement, c'est à encourager, sincèrement. S'il y avait un public, on aurait applaudi très fort pour toi. Là, on est dans un cadre assez clos. Mais après, je me dis, est-ce que tu prends des dispositions, toi, quand tu vas fouiller dans les décharges? Oui. Pour ta propre santé. Oui, c'est très important. En fait, je me protège le nez et puis je porte souvent aussi des gants. Voilà, c'est un peu ça. Donc, avec les odeurs, les mouches et tout ça. Oui, c'est un peu ça. Et puis, moi, bon, c'est comme c'est d'abord une passion, donc j'aime bien, en fait. Super. Quand tu as eu la chance d'exposer ton travail, on va en parler? Oui. L'exposition, combien tu gagnes, comment ça évolue, tes plans, perspectives de carrière. Ouais. Ça va être très sympa à découvrir juste après
cette liquidation de vidéos totale, nouveauté spéciale, USA of America. Man. Les nouveautés qui te font passer le meilleur week-end sont ici depuis 21h sur RTI2, c'est Urban piloté par JM, ton animateur toujours. Fuego, également l'actu culturel, hey, on est en plein cœur de l'art contemporain, regardez, c'est un magnifique travail, l'auteur est bien là, il est jeune, il a 23 ans, il est à l'INSAC pour être précis, voilà, c'est un étudiant de l'INSAC, il est en train de finir sa licence et il nous fait voyager à travers ses œuvres. J'imagine que là on est à Dakar, on est au Sénégal, voilà, on témoigne les couleurs de ses mini-cars et qu'est-ce que tu nous présentes là précisément? Là, c'est un vendredi saint pour moi, c'est le titre de ce tableau, c'est un vendredi saint. On retrouve des gens avec des boubous, voilà, des gens qui vont à la mosquée. Okay, ouais, et voilà. Ouais. Voilà, c'est un peu ça, c'est l'idée de ce tableau. Et les chapeaux. Ouais, les chapeaux, voilà, il fait un peu hip-hop, contemporain et autres. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée de ce tableau avec là, on est pas loin du verre islamique. Oui, ouais, ouais, le verre. Le méchant bourreau. Oui, le monsieur, il va à la mosquée, d'autres qui reviennent. C'est un peu ça. Super. Et pourquoi c'est important de raconter toutes ces histoires, ces moments de vie? Moi, je pense que c'est des trucs qu'on vit de nos jours, chaque jour que Dieu fait, on voit des scènes comme ça. Donc moi, je me dis qu'il ne faudrait pas rester forcément dans nos cadres, il faut souvent aussi voyager. Donc souvent, je voyage, je fais des photos dans d'autres pays voisins. Voilà. Et après ces photos-là que j'essaie de transcrire en images et en tableau. C'est un peu ça. Et on dit souvent qu'on apprend beaucoup avec les voyages. Donc l'art contemporain avec toi, Mono Désiré Kofi, c'est aussi ça, c'est de l'évasion, c'est des moments de culture enrichissants. Ouais, c'est super. Ça. Alors, est-ce que tu as eu la chance d'exposer déjà tes œuvres de façon très significative? Oui. J'ai déjà eu la chance d'exposer avec le soutien de M. Fini Light qui se trouve au niveau de France, voilà, qui me soutient beaucoup avec M. Pépé Olivier, voilà, qui a organisé l'exposition Une toile pour sauver l'enfant qui a eu lieu en octobre dernier à l'hôtel Ivoire Sofitel. Et on compte exposer cette année en octobre en France. C'est précisément à Rennes et à l'hôtel Ivo encore. Hey, c'est top mon frère, en tout cas bonne continuation là, super, on soutient jusqu'au bout, ça promet. Hey, tranquille. Allez, on va se faire, et qu'est-ce que tu aimes comme musique déjà? Bon, moi j'écoute un peu de tout, bon, plus souvent du rap et peu décalé. Rap et coupé décalé, quels sont tes artistes africains préférés ou ivoiriens et africains préférés? Bon, les artistes préférés, moi j'aime beaucoup. J'écoute beaucoup Zouglou, voilà, je l'ai si gros souvent, Fally Poupa, voilà, et puis sans oublier, voilà, mon artiste n'est pas trop connu, mon cousin, il s'appelle Devka, voilà, son nom d'artiste, il est dans le label Aounia Music que lui-même l'a formé, et c'est sa musique souvent, à la maison quand j'écoute, et puis ça m'inspire beaucoup en fait, quand j'attends sa voix, parce que m'a beaucoup soutenu, voilà, depuis la seconde, quand je travaille, il est toujours là, ah cool, tu fais comment, donc, avec son soutien, il me dit souvent pas de décourager. Parce qu'il y a des moments difficiles, il y a des moments où tu n'as même pas l'argent pour acheter la peinture. Donc souvent, il m'aide aussi. Et lui aussi, c'est un jeune artiste. Parlant de moments difficiles et d'argent, est-ce que tu as commencé à faire quelques petites entrées? Tu as des clients qui viennent te prendre des œuvres? Donc le moment, comme on a eu l'exposition de Hot Top passé, donc après cette exposition, voilà, on a eu des gens qui ont vraiment, voilà, des gens qui ont vraiment aimé le style et qui demandent même des expositions, mais ça va venir, voilà, avec le soutien de beaucoup de. Tu as fait au moins une vente en passant. Oui, en fait, le jus de l'exposition. C'était quoi ta meilleure vente? En fait, c'est Une toile pour sauver l'enfant. En fait, dès que je suis arrivé, j'ai eu la chance, mais deux toiles ont été réservées. Déjà l'étiquette a été déjà arrachée lors de l'exposition. Donc je m'étais étonné quand j'ai vu mes œuvres, j'ai mis mes œuvres à côté, on dit que c'était déjà acheté. Et tout le monde était vraiment intéressé. On peut estimer cette œuvre à combien? Bon, les prix sont pas élevés, mais il faut faire ne pas dire en direct. Il a ses secrets, mais c'est tout de même intéressant. Hein. Oui, c'est tout de même intéressant. Super. Il y a le prix de tout le monde en fait. Voilà, tout le monde se retrouve dans ces tableaux. C'est trop top. Allez, tu as parlé de Yodé et Siro, tu peux nous fredonner une chanson de Yodé et Siro? Que tu aimes bien, ils ont tellement de belles chansons, ces gars-là. Il y a tellement, bon, il y a. C'est pas très bon chanteur. Ne faut jamais te presser. La vie, c'est mono. Ce que Dieu t'a donné. Que ce qui est pour toi, oh yeah. La vie, c'est mono. C'est pas mal, moi, j'adore. Allez, on va se faire cette fois-ci des artistes qui chantent beaucoup mieux que nous, sérieux. C'est parti, au moins de groove. Franco, bébé. Dis-moi, Mono Désiré Kofi, c'est quoi ton plus grand rêve en faisant
ce travail aujourd'hui, ce travail artistique? Moi, mon plus grand rêve, c'est d'exposer un peu partout dans le monde et c'est mon plus grand objectif. Et je sais que par la grâce de Dieu, je vais y arriver. Et si tu es de bonne voie. Frère, bénédiction à toi, en tout cas, merci soutien vous. Total. Merci beaucoup. Hey, c'est Urban, on continue toujours notre exploration de l'univers de Mounou Désiré Kofi. Invité exceptionnel de ce numéro, la totale de culture et de clips, exclusivité et toujours belle découverte. Dans un petit moment, Maï va vous emmener dans un autre univers assez coloré. En attendant, on échange encore avec notre guest spécial avant de découvrir les sorties vidéo africaines de la semaine. Voici encore un autre travail là, sous vos yeux. Travail de récupération, on l'a dit. Et message toujours caché derrière ces couleurs diverses, ces formes, ces lignes, ces volumes. Dis-nous tout, vas-y. Bon, en fait, ce tableau, il faut souvent, quand tu peins, il faut penser aussi aux aveugles. Mm-hmm. Donc, quand tu touches en sang, le volume, tu n'es pas obligé de voir pour savoir que c'est un tableau. Donc, un message simple et fort qui veut dire que la place des enfants, c'est pas dans la rue. Ils vont voir les enfants avec des sacs au dos et autres. Voilà, ça aussi, ça c'est pas, c'est au niveau des parents, l'éducation, tout ça. Et aujourd'hui, on rencontre des problèmes comme l'affaire des microbes et autres. Mmh. Voilà, donc, moi, je pense que tous les enfants... C'est peut-être une démission de responsabilité parentale, oui, c'est pas aussi l'encadrement, voilà. De fermeté, de discipline. Et c'est vraiment triste aujourd'hui avec l'histoire des microbes et autres. Vraiment, c'est... À travers mes tableaux, j'essaie d'ajouter un peu de couleur pour donner un peu la joie à ces enfants-là. Voilà, qui mérite d'aller à l'école. Et pour moi, c'est vraiment très important parce que moi aussi, j'ai eu la chance d'aller à l'école. Je dis merci aussi à mes parents, voilà, pour leur soutien, sans oublier mon professeur d'aplastique, voilà, monsieur Nada, qui m'a vraiment encouragé. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier et je lui dirai toujours merci pour tout. En tout cas, on voit beaucoup de courage à tous ceux qui sont étudiants et élèves qui regardent cette émission. On espère pouvoir agiter votre fibre artistique. Et encourager aussi votre innovation, votre sens de l'imagination, c'est ça aussi le sens de Urban, la totale de culture et le clip. Et puis, en ce qui te concerne, dis-moi, en parlant d'école, c'est quoi les matières dans lesquelles tu excelles? Depuis, bon, moi j'ai fait le lycée, comme tout le monde, voilà, à partir de la 6e à la 3e, j'étais très bon en plastique. Et mon professeur, que j'ai mentionné, son nom toujours, M. Nada, voilà, il m'a toujours dit, mon petit, fais ta rentrée à l'INSA, fais ta rentrée à l'INSA. Il dit, mais l'INSA c'est quoi? Et moi j'étais à l'intérieur d'une ville qu'on appelle Bio, voilà, qui n'est pas loin de Soubré ici. Et il me disait, rentre à l'INSA, rentre à l'INSA. Donc dans ma tête, c'était quasiment INSA. Donc quand j'ai fini mon PPC, je suis venu, même pas attendre les résultats, je suis venu directement me présenter au concours. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu le concours d'entrée au lycée d'enseignement artistique. Voilà, et je suis sorti majeur de ma promotion de la seconde à la terminale avec le bac. Respect mon frère. C'est toi, mais c'était quoi ta bête noire à l'école? Bon, j'aime pas les maths. J'aime pas les amis, maths. Pas besoin de calculer ce samedi, on est vraiment en mode week-end pour juste kiffer. Voici les nouveautés du continent. C'est Urban. C'est samedi, on est toujours là, c'est Urban, la totale de culture et clip géré par JM. Ouais, bien sûr, ton animateur toujours. Fuego. Hey. Les potes, super, super contents de partager cette émission avec des talents de l'industrie culturelle, de l'univers culturel local. Je suis avec Mounou Désiré Kofi qui appartient à une petite association. Un groupe appelé Carré Noir. Voilà, on travaille ensemble depuis 2013. Voilà, Carré Noir est l'idée de M. Kone Wanyenba, qui est notre professeur au lycée d'enseignement artistique, qui nous soutient beaucoup, sans oublier M. Olivier Kwadio de la Fondation SIFKA. Et ce groupe réunit des étudiants de l'IMSAC avec des talents assez éclectiques. Oui. Vous faites... À la base c'était... Morale. Voilà, déco, maquillage de cours aussi à domicile, pour ceux qui sont intéressés. On fait un peu de tout et puis on fait du make-up avec une compagnie que je vais citer avec Black Shammer, JDKL, qui gère cette structure aussi. Make-up pour le cinéma. Oui, make-up pour le cinéma. On a fait déjà des extraits de films d'horreur, films de zombies, voilà. Et d'autres ne connaissent pas une compagnie, connaissent Petit Gueux, qui est l'acteur principal de une compagnie, l'acteur le plus célèbre. C'est bien, c'est sympathique. Il y a même un pote aussi qui va nous rejoindre dans un petit moment, toujours appartenant aussi à cette association. On le rappelle, Carré Noir, il s'appelle... Romilly Geoffroy, oui, qui nous rejoint à l'instant, Romilly. Allez, viens être là. Dis-moi, comment tu passes ton week-end déjà là? Bon, très bien, tranquille.
Tranquille, très bien, pardon. Super. Alors, oui. Au-delà de toutes ces activités artistiques que vous faites au sein du Carré Noir, comment vous détendez, comment vous, quelles sont vos extra-activités, on va dire? Activités. Bon, de temps en temps, on joue au foot avec les potes du quartier. On écoute aussi la musique. Bon, on fait un peu de tout. Ouais. Côté musique, qu'est-ce qui te fait vibrer en ce moment? De Caris. Caris. Moi, j'adore le Nador de Caris. Et toi, c'est Poussière. Quoi, Poussière de Caris. Ou Diarabi. Tu peux faire quelques petites rimes là? Quel titre? Vas-y, selon ton kiff. Il fait noir dans mon hémisphère, je serai sans va pour le cœur de fer. Donc la galette, bon. Ouais. Niska Urban sera là-bas en plein cœur de tout l'événement. On va faire aussi vous ramener une grosse interview avec Niska. Et puis on aura toute l'ambiance, les contours, les allées, les couloirs, les raccourcis du concert. Maï aussi, on va vous ramener la semaine prochaine encore de belles découvertes de l'univers culturel en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Moun Désiré Kofi, d'avoir donné une seconde vie au clavier téléphone, de raconter une époque, de donner aussi un message sur le recyclage, le respect de l'environnement, l'éducation et plein d'autres thèmes que tu abordes à travers tes œuvres. Et puis, tu es une bonne inspiration pour les jeunes. Force à toi, force aussi à tous ces jeunes qui font du beau travail. Écoutez, Urban, c'est votre émission. Contactez-nous sur notre page Facebook, sur tous nos réseaux. On est prêt pour vous, comme on dit à Abidjan. Allez, on va se faire un petit au revoir maintenant. Sans oublier d'encourager une personne qui soutient aussi les artistes un peu dans le monde, Monsieur Félin, voilà, qui a sa part, qui est artiste humaniste, qui soutient beaucoup les artistes dans le monde et qui me donne souvent des conseils. Ouais. Et grâce à lui, je me suis fait un peu connaître. Un garçon reconnaissant, merci. Gratitude à vous, merci d'avoir suivi l'émission. On est vraiment chez lui à la maison, donc c'est comme notre galerie maison, tu vois. Donc on parcourt un peu la galerie, tu vois, au calme avec mes poteaux derrière, c'est super. Tous ces tableaux-là, on les a vus, on les a aimés. Et puis il y a même aussi le matériel de travail, c'est trop dingue. Les potes, c'était super. Ça, c'est un pistolet avec à l'intérieur du silicone. Il y a des filles qui mettent du silicone dans les seins, je ne sais pas si ça tombe. Ça arrive. C'est un pistolet à silicone. C'est pour faire tous ces travaux que vous voyez là, super. Voilà, avec du grand pistolet silicone qui permet de faire tout ça. Franchement, on a tout bombardé dans cette émission, on vous a tout donné avec beaucoup de plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, Urban, la totale de culture et de clips géré par JM, ton frangin, ton animateur, toujours